بسم الله الرحمن الرحيم. Le projet de loi des finances cette année s'inscrit bien sûr dans la continuité des réformes entamées par le gouvernement. Chez nous, au sein de la commission des affaires étrangères, nous avons insisté, c'était pour nous bien sûr l'occasion propice pour discuter et débattre le sujet et l'affaire nationale. On l'a considéré comme le critère essentiel pour redresser et évaluer le bilan de notre diplomatie. Nous avons focalisé bien sûr sur l'affaire nationale, tout surtout que le contexte s'est caractérisé cette fois-ci par le discours royal du 6 novembre, un discours qui était qualifié par tout le monde d'historique et aussi tranchant. Donc, ce discours, il a redressé les orientations essentielles pour le travail diplomatique. On n'a pas manqué aussi de souligner que le consensus national doit s'accentuer et que le travail de notre diplomatie est censé être plus présent, tout en insistant sur la nécessité de donner les moyens nécessaires à cette diplomatie pour garantir l'efficacité et le rendement. Et dernièrement, je dois aussi citer que nous avons proposé que notre diplomatie travaille avec des critères bien précis pour que l'évaluation soit plus pertinente. Merci.